Je vous présente la boisson indienne. Ça s'appelle le lassi. Et les ingrédients principaux sont du yaourt, de l'eau, la poudre de cardamome et du sucre. C'est ça. Et on se boit frais. Frais. Ça, on se boit frais. Comment tu le prépares? Mais c'est ce qu'elle a dit. Oui, elle a dit. Et on mélange tout. Tu as simplement un mélange. On mélange. Ça s'appelle masala papad. On a des papad comme ça. Et les ingrédients principaux, c'est l'oignon, concombre et la tomate. Ça, et ça, c'est un entrée. Et on a ajouté coriandre. Oui, coriandre. Et vous servez ça à quelle occasion? Il n'y a pas c'est comme une entrée. Ça peut se manger tous les jours. Oui, comme vous voulez. Et ça, c'est une sucrerie indienne. C'est un dessert. Oui, c'est un dessert. On le prépare pendant les fêtes, surtout. Et la partie principale, c'est le vermicelli. Chez nous, c'est vermicelli. Avec du lait, la poudre d'amande. Les la noix de cajou, safran. Et du sucre. Et safran. Safran et du sucre et du lait concentré sucré. Oui. Et on mange ça chaud. Chaud. Oui. On réchauffera un peu tout à l'heure quand on prendra. C'est un dessert. Je viens de la République dominicaine. Mon plat s'appelle mango. Et c'est fait avec des bananes vertes, sel et beurre et aussi d'eau. C'est tout. Merci. Et tu manges ça tous les jours? Quoi? Tu le manges tous les jours? Ah oui. Tous les jours. Oui. Un plat de tous les jours. Mais pour le dîner. Tu l'as révisité comment? T'as ajouté quoi d'autre? Comment ça se dit perejil? Comment tu fais? Tu fais de la pâte? Persil. La... Et aussi persil. Et... Tu fais le mélange comment? Tu mélanges tout? Écrasé, oui. Écrasé. Tout écrasé, oui. Merci. Vas-y, Lika. Ah, voilà. C'est... S'il vous plaît. C'est le plat traditionnel de Géorgie. Ça s'appelle Khachapuri. Il est préparé par du fromage et une pâtée. Il a du beurre, des os. Maintenant, je pense que mon décision était un peu difficile parce que il était vraiment très très difficile à préparer et j'ai fait deux tartes. Je pense que le premier est arrivé et le deuxième je sais pas mais vous pouvez essayer. Merci. Et tu manges quand? À quel moment? C'est tous les jours que vous mangez ça? Non, c'est le tarte pour la fête, par exemple, nouvelle année ou Noël, etc. Je viens de l'Algérie. Notre plat traditionnel, c'est le couscous. On le prépare avec du poulet et les légumes, la carotte et le pois chiche et les épices. Voilà la sauce.
On les mange chaque vendredi. On les mange chaque vendredi et dans les occasions, les fêtes. Voilà. Bon appétit. Bah, alors aujourd'hui, c'est un jour de fête. Un voilà. Jour de fête. Voilà. Bonjour, je vais vous présenter un plat marocain. Donc, il s'agit d'une combinaison entre le salé et le sucré. Donc, j'ai mis du miel, du safran, des abricots sèches et des ananas caramélisés. Donc, ce plat, on le présente généralement dans des fêtes ou bien c'est pas tous les jours. Et voilà. Bon appétit, merci. Regarde-moi. C'est le bonjour, je m'appelle Zarina, je viens de Kazakhstan et maintenant je voudrais vous présenter le plat kazakh. Ça s'appelle kourdak, c'est le viande et la pomme de terre. Et ça s'appelle borsak, c'est le pain de kazakh. C'est aussi vous pouvez manger tous les jours. Bon appétit. Merci. Ok, bonjour. Je vais vous présenter, ça c'est du riz et le ragoût des œufs. Dans le ragoût, il y a des œufs et légumes. Il y a des oignons, poivre vert et tomates. C'est une recette très simple. Et ça c'est comme un fast-food quotidien du Ghana. Ah oui. On mange ça tous les jours. Oui. Oui. Bon appétit. Dans les fast-foods, on ne mange pas ça quand même. Hein. Tu vois pas ça au McDo hein. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. C'est notre plat traditionnel. On l'appelle Trumbarak. On ne prépare pas chaque jour. On prépare seulement pour les traditions et pour les noces ou bien pour quelques autres occasions. C'est la pâté. À l'intérieur, il y a des œufs et de l'huile. En général, on le mange avec du yaourt. C'est mon plat préféré. Seulement pour... C'est mon plat préféré. Alors, bonjour à tous et à toutes. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Dalavar Ermetova. Je suis ouzbek. C'est un plat régional dans ma région. C'est d'origine de Corrèze. Ça s'appelle Trumbarak. Il y a des œufs dedans, des pâtes. Bon appétit. Merci. Ce sont des pâtes, c'est pas du pâté. Hein. Ah, pâté. Non, c'est des pâtes. Non, pas pâté. C'est pas un pâté, ça ce sont des pâtes. C'est de la pâte. Non, c'est de la pâte. Mais c'est pas... Le pâté, c'est du pâté de... c'est de la viande, le pâté. Ah, oui. D'accord. Merci. Indonésien, maintenant. Bonjour tout le monde. Nous présentons maintenant le plat indonésien. Il s'appelle opor, c'est curry de poulet. Les ingrédients principaux c'est le poulet, bien sûr, et aussi lait de coco, oignon, et aussi le coriandre dedans. Ouais. Et on mange avec du riz pendant la fête. Pour les fêtes, hein. D'accord. Après, il y a aussi une boisson typique de la région West Java, Bondou. Nous boissons ça pour les jours froids. Les jours froids? Oui. Ah oui. C'est pour réchauffer. Merci, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit aussi, et puis on partage. On partage. Oui. Vas-y, vas-y. Okay. Bonjour, mon nom est Didier et je suis du Mexique et je vais présenter mon repas d'aujourd'hui international qui s'appelle barbacoa. C'est une substitution parce que c'est un plat végétarien et traditionnellement la barbacoa se fait sur un foie sur la terre et avec beaucoup de temps et c'est la tête de la vache et la langue. Mais ici, j'ai fait avec de l'aubergine râpée qui s'est sazonnée avec de cumin et de origan. Et s'accompagne avec une tortilla de maïs. C'est fait un taco avec la viande. C'est pas viande, mais
c'est ça. Et avec de, une sauce de tomate. Tomate. Et avec des coriandre frais et oignon frais et citron. Et c'est ça. Merci. Merci. Le plat du Costa Rica, okay. On y va. Et c'est un dessert qu'on prépare surtout pour Noël, pour fêter Noël. Et c'est du lait concentré sucré, du lait concentré pas sucré, et de la gélatine avec des fruits. C'est ça, seulement. C'est quel fruit déjà? C'est des pêches, je crois. Ah, oui, des pêches. Ouais. Bon. C'est ça. Avec des pêches préparées par mes petites mains. Bah, oui, par Marie-Jean. C'est bon. Alors, je vous présente le gâteau Sovac. C'est un gâteau qui est super simple, super rapide à faire. C'est ce qu'on fait souvent dimanche quand on veut faire un gâteau rapide. Et en fait, la pâte elle est très simple, des œufs, du lait, du sucre, de la farine. Et puis, on peut mettre des fruits, peu importe ce qu'on veut. Voilà. Donc, je l'ai laissé un peu plus longtemps en four, donc si jamais c'est un peu trop cuit, désolé. Non, c'est bon, c'est bon. Il est parfait. Voilà, il a l'air excellent. Hein. J'espère qu'il y en aura un morceau pour chacun. Ah non, il s'applique. Hein. C'est... Le pesto. Ah bah. Très très bien. Non, le pesto. C'est une torture. Bienvenue dans notre repas international. La moitié du repas a déjà été mangée, donc vous aurez que la moitié, désolé. On est ravis vraiment de vous accueillir. Ça nous fait plaisir. On a essayé de préparer quelque chose. Moi, par exemple, je ne suis pas très professionnel. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère que vous allez bien aimer. Les stagiaires ont aussi préparé un petit spectacle juste pour faire un peu d'ambiance. Et je vous invite à les suivre et puis à goûter notre national. Donc chacun a fait quelque chose de son pays. Après, j'espère que vous allez aimer. Comme je dis, on n'est pas de professionnel. Mais bon, on a mis tout notre amour, ça c'est très important. On l'aura. Ça c'est santé, très bien. Merci beaucoup. La moitié mojito, la moitié caipirinha. Donc la différence, vous pouvez partager si vous voulez pour goûter. On va m'en prendre un check. Ah oui. Oui, non. Ok. Et bon, là je vous présente caipirinha, c'est fait avec cachaça. C'est en fait. Chez quoi ça? Pardon. Non, cachaça. Ah, pardon. Oui, c'est boisson. Bon, il va me faire ça, on fait avec l'eau de vie de canne du sucre, en fait. Et là, j'ai préparé avec du sucre, jus de citron et cachaça, tout simplement. Ok? Donc, c'est vers vous et bon appétit. Et je vous présente le mojito. Bon. En fait, le principe, c'est pareil, c'est un mélange entre citron et alcool. La différence, c'est que notre alcool, c'est Havana Club, pardon, qui d'ailleurs, c'est moitié français aussi, parce que ça appartient aussi à Pernod Ricard. Ouais. Mais nous, on a un alcool de 51%. Et elle est notre 40%. Ça reste un peu un produit cubain, quand même. C'est un vrai, quoi. Ouais. C'est pour ceux qui en ont. Donc la différence aussi, c'est que nous, on utilise la menthe macérée. En fait, à Cuba, on a une autre plante, ça appartient à la même famille des salvias, mais c'est pas forcément de la menthe. Ça s'appelle hierbabuena en espagnol, mais en France, ça n'existe pas. Donc du coup, on fait une équivalence avec la menthe. Et contrairement à ce que tout le monde pense, on n'utilise pas
du sucre de canne, sirop de canne. Non, ça c'est un cliché. Non, c'est un cliché. C'est trop doux. Donc on utilise du sucre brun. Voilà. Et, mais pas du sirop de canne. D'accord. C'est du sucre de canne aussi, évidemment, mais pas du sirop. Et bon, voilà, c'est bonne dégustation. Nathalie était en train de vous expliquer que, comme on a partagé des cocktails un peu pareils aussi, et qu'on ne savait pas si tout le monde allait en boire deux, on a fait un peu moitié-moitié. Ouais. Donc vous pouvez partager. Et c'est aussi, le principe du partage aussi. Ouais. Juste pour les mojitos, je les ai fait moins fort que d'habitude. Hein? Parce que, ouais, parce que bon, voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Moi aussi. Ouais, c'est ça. Il y a 4 verres ici qui n'ont pas d'alcool. Pour les personnes qui n'ont pas d'alcool. Et si quelqu'un en veut encore de mojitos sans alcool, on peut en refaire. Et il y a une bouteille ici et un petit verre. Si quelqu'un veut ajouter encore, si quelqu'un sent que c'est pas suffisamment fort. Voilà. L'un d'entre nous va présenter son plat. On va faire chacun à son tour fait la présentation de son plat, les ingrédients, quand est-ce qu'on le mange, dans quelles occasions. Et après, on va pouvoir s'asseoir et les prendre et s'asseoir et les goûter. On commence par l'Iran. Allez, l'Iran. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Il a gardé au frais. T'en as acheté? Alors c'est une poisson fraîche. Une boisson. Il remue une boisson. Une boisson. C'est pas un poisson. Pas, un poisson, ça. Non, pas poisson. Ou bien poison. Elle se met à Jean-Marie. Après. Avec du yaourt, bon, du sel, de l'eau et de la menthe. Et ça s'appelle? C'est très bon. Ça s'appelle Dour. Dour. Voilà, Marina le connaît bien. Dour. Voilà. On a vu ça quand on était en Europe. Ah, que ça. Mais ça ou la... Ou... Parce que t'as pas le choix, c'est ça ou pas d'alcool. Ou la diarrhée. Oh, c'est triste. Alors, et le plat principal, bon, c'est pas une soupe, parce que soupe c'est plus liquide. Ça c'est hachemost. Voilà. C'est avec du riz, du yaourt, de l'oignon et de l'ail et de l'aneth. Et tout le monde en mange, hein. Si y a de l'ail, tout le monde en mange. Hein. Ça va, c'est avec le poisson. Chose, je vous jure, je l'ai déjà goûté, c'est délicieux. C'est bien, elle fait la promotion de l'Iran. Bravo. Ouais, bravo, c'est bien. Merci. Bon. C'est bien, personne suivante. Bravo. Voilà. On referme et on embarque. Il faut être présenté, ils sont bons. Plutôt en hiver. Et on est en plein été, c'est bon. Oui, c'est ça, mais comme je le connais, je le fais. Alors qu'on est en été. Bon, parce que c'est chaud, c'est la soupe, normalement c'est pour l'hiver. Pour réchauffer. Ouais, c'est ça. Il fait un peu frais ce soir. Hein. C'est pas trop. Next. Tu veux? Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Melim, je viens de Kyrgyzstan et j'ai préparé notre plat traditionnel, mante. C'est le pâte avec du viande, pommes de terre, oignons dedans, avec du sel et du poivre noir. D'habitude, on mange ça pendant les fêtes ou quand on est ensemble avec la famille. Et on le prépare ensemble avec la famille parce que ça prend beaucoup de temps pour les préparer. Voilà. Et j'espère que vous allez aimer. Juste une petite note, il manque un peu de sel, j'ai préparé le sauce au soja avec des coriandres et des épices, si quelqu'un veut. Bonjour à tous, je vous présente le brick. La préparation. Le brick contient une œuf, le persil, l'oignon. Fromage râpé et le thon. Du poisson. Du thon. Oui, le thon. C'est bon. Oui. Mais bon, et puis on cuire sur un poêle, c'est tout. On le mange comme tu veux. C'est quel pays?
La Tunisie. Ah d'accord. Ouais. Ouais. Avec pigeons. Bravo. Il n'y a pas beaucoup monde. De place pour faire la photo. Alors, encore une fois. Ah oui. Je vous présente un plat d'Haïti qui est le pâté cordé. On appelle ça pâté cordé parce que normalement le pâté c'est un peu plus raffiné, mais nous en Haïti on le fait d'une autre façon, donc du coup on appelle pâté cordé. C'est un plat qu'on utilise comme apéritif quand c'est on fait un peu plus petit comme ça. Comme déjeuner, dîner, souper. Ah d'accord. Et petit déjeuner? Oui. Toute la journée. On ne mange que ça alors. C'est un plat très populaire parce que de la capitale à Port-au-Prince spécifiquement, il y a des marchands un petit peu partout qui vendent des pâtés. Et si un restaurant vend des pâtés, il a beaucoup de succès en Haïti. ensuite, pour la recette, on a préparé une pâte avec de la farine de blé et du sel. Et ensuite, on a fait une farce avec du poulet, de l'aran, tomates, des épices, des oignons, etc. Ensuite, on a mis à l'intérieur et puis on a fait frire à la poêle. Oui, il faut souligner qu'en Haïti, il y a un festival autour de ce plat. On invite tous les restaurants à y participer. Et le meilleur pâté, selon le vote du public, en fait, le restaurant qui a le meilleur pâté, donc il a un prix. Tout ça. Et il y a surtout des restaurants qui vont mettre à l'intérieur et lambi, crevettes. Mais c'est vraiment dommage parce que ce que les gens aiment, c'est le poulet et l'aran. Donc, du coup, si vous ne mettez pas ça, on a perdu. Oui, on a aussi là, c'est vous qui avez gagné le voyage en France, vous avez gagné. Et on a ensuite préparé une sorte de salade, mais en Haïti, on l'appelle piclis. C'est avec du chou, de l'oignon et du poivron. Mais on peut ajouter d'autres choses comme de la carotte, de la tomate, pour ce qu'on veut. Et du piment qui est vraiment piqué, parce qu'on n'arrive pas à trouver ça en France, là, du coup. Faites attention. Ok. Bon, c'était notre plat. Bravo. Bravo. Bonjour à tous. On prépare les repas de lomo saltado, pequeños avec lomo saltado. Le lomo saltado est un plat qui mélange la cuisine chinoise et péruvienne. La base est le bœuf avec les tomates et l'oignon. Pour cette occasion, nous préparons une présentation, un repas petit avec les sauces de lomo saltado. Sí. Et pour notre ami végétarien. Et champignons saltados. Tout prévu, hein. Oui. Merci. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a dans la sauce? Du fromage, c'est une pâte salée avec du fromage dedans. Et on mange souvent pendant la fête d'anniversaire, plutôt pour le dîner, mais parfois pour le petit déjeuner aussi. Pourquoi pas? Oui. Tout le temps, quoi, comme on Haïti, tout le temps. C'est ça. C'est quoi comme fromage? L'emmental ici, mais au Brésil, on mange avec de mozzarella, mais c'est une mozzarella différente. D'accord. C'est pas la mozzarella italienne. Bon, et bon, comme vous avez déjà vu, on a fait caipirinha tout à l'heure. Donc là, on a bolinhas de queijo, que c'est petite boule de fromage. Et là, on a fait aussi les desserts, ce qu'on appelle Roméo et Juliette au Brésil, que c'est le mélange en fait de. Et voilà, que c'est le mélange de la crème fraîche avec un tout petit peu de pâte de goyave parce que ça donne l'ensemble, ça nous plaît beaucoup. D'accord? Ok, bon. Bon appétit. Bravo! Je vais vous présenter. Tu es de quel pays? Vietnam. Vietnam. La traditionnelle du Vietnam. D'accord. Les deux plats asiatiques, vous voyez ici, c'est le nem. Les nems. Oui. C'est pas le même. C'est le plat qui est connu partout dans le monde, comme vous le savez. Et dans le plat, par rapport au nem traditionnel,
je change les ingrédients un peu. C'est avec les ingrédients de fruits de mer, des calmars, des crevettes. Oui, c'est comme ça. On mange dans les fêtes traditionnelles de Nouvel An du Vietnam et selon de nos besoins, nos envies. Moi c'est Shpetim et je vous présente le plat assez traditionnel du Kosovo. En albanais on s'appelle pasoul. C'est une mélange entre le haricot blanc et de la viande aussi. Et je vous laisse le goûter. T'en dis pas plus, hein. Il faut pas en dire plus. Il faut pas en dire plus. Alors ce soir je vous ai préparé un plat à base de pommes de terre puisqu'en Slovaquie on mange beaucoup de pommes de terre. Coup ce sont des galettes comme je vous ai déjà dit, il y a des pommes de terre, il y a de l'ail, il y a des épices, il y a des œufs. C'est un plat qui peut être assez consistant, le consistant. C'est ça. Et ça, c'est demande pour la photo que tu le prennes en main. Gros bras, je sais pas si gros. Après, t'as plus faim. Du coup, on peut le manger midi ou le soir. Pas au petit déjeuner, non. Ah non, non. Non, pas celui-là. Pas celui-là, il vaut mieux pas. Et donc on le mange soit avec le ketchup, une sauce à la base des tomates. Et ça, c'est pas slovaque le ketchup, c'est américain. Non, non, non. Ça non, mais sinon le ketchup ou une sauce à la base de crème fraîche avec des épices. Et du coup, ça en slovaque, ça s'appelle harulia. Harulia. Bon appétit. Bravo. J'ai préparé du riz avec des petits pois, avec des noix de cajou. Elles sont très bonnes les noix de cajou, j'en ai piqué à la cuisine. C'est le plat palestinien typique. C'est un plat très, très facile et très célèbre en Syrie. Et c'est la première fois que je cuisine. Donc, nous sommes les testeurs. On teste. On teste. Vous pouvez me donner votre avis après. Ah bah bravo. Ok. Bravo. Et c'est tout. Bravo. Bravo. C'est vrai qu'il nous manquait. Cuba. Ah, Cuba, Cuba. Cuba, si. Cuba, si. Donc en fait, on allait faire le même plat et à un moment donné, on se rend compte et on dit bah, ce que j'allais faire, ça fait ses parties dans le repas particulier en Colombie. Donc on s'est dit, on les fait ensemble. J'ai présenté une partie, voilà, tu fais le reste. Et c'est un autre de lien commun qu'on peut avoir avec des peuples, même si on est bien éloignés. Et ce sont les bananes plantain à Cuba. On l'appelle, les plats, on l'appelle tostones. Et ça peut être tout plat comme ça, ou ça peut être aussi farci. Je pense qu'il y en a des pressants qui l'ont goûté pas mal de fois à Cuba. Et bon voilà, là-bas c'est les bananes plantain et on le fait frire une première fois. Après on écrase le morceau pour avoir cette forme et on le fait frire une deuxième fois parce que la banane plantain elle est beaucoup plus dure. Donc il faut le faire frire deux fois. C'est très beau. Hein? Yes. Bon voilà, et je passe la parole aux camarades. Merci, merci. Bonjour. Bonjour. Alors chez moi ça s'appelle patacon. 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 Non, patacon. T'es patacon. C'est pas con. Ça, c'est du guacamole. Enfin, j'ai essayé de le faire comme je l'ai fait d'habitude, je l'ai toujours fait. Et ça s'appelle ogao. C'est une sorte de. Enfin, c'est des oignons frits. Après, on ajoute le tomat coupé en petits carrés. On laisse pendant plusieurs minutes et on ajoute du paprika ou juste comme ça, du sel, et pour annuler un peu l'acide du tomate, je mets un peu de sucre des fois, des cassonades, et voilà. Et c'est tout, donc ça c'est pour dresser le patacon. Ensuite on a du riz, enfin ça ressemble comme un plat d'IKEA, mais ensuite on a du riz. Et le riz, c'est comme on le fait chez moi, c'est avec de l'ail. C'est différent à ce que c'est fait en France. Bon, on fait bouillir l'eau
avec du sel, huile et un dent d'ail. Dès qu'elle commence à bouillir, on met le riz et on les laisse cuire jusqu'à ce que ça sèche. Et ensuite, ça, c'est des bananes plantains mais mûres. Donc on les coupe en petits carrés, on les laisse frire et ça devient un goût sucré. Et finalement, les haricots rouges, qui chez nous ça s'appelle frijoles. Donc ça c'est un plat traditionnel de chez moi, ça on les mange en général, c'est un repas familial parce que comme ça fait beaucoup, donc il faut faire pour beaucoup. Donc c'est soit jeudi, soit vendredi, soit samedi, selon la famille. Et c'est composé principalement des haricots rouges, bien sûr. On les laisse tremper dans l'eau un jour avant, après on les nettoie, on les fait cuire et sans sel, sans rien. Après, on doit à part mettre une banane plantain, des carottes, une pomme de terre avec un peu de l'eau qui est dans les haricots rouges. On les fait mixer pour que ça commence à épaissir. Et puis, on les laisse cuire, on ajoute un peu d'eau gao au fur et à mesure, comme ça on régule les sels. Et finalement, ça c'est pour les végans, végétaliens et tout ça. Et si vous voulez, nous normalement on ajoute de la viande ou des lardons fumés, c'est super bon. Il y a des lardons fumés pour ceux qui mangent. Et sinon, c'est comme ça qu'on les mange. Et voilà. Et c'est, on a le même plat aussi, c'est la base à Cuba aussi, du riz, des haricots, ça peut être rouge ou noir, mais c'est la même base. En général, nous on les mange, enfin on met ça comme ça et on les mange. Mm-hmm. Et ça, c'est pour goûter à part. Bravo, bravo. Merci. Le plat du chef. Il y en a deux. Alors, je vous présente le burek. C'est un plat que vous allez le rencontrer dans tous les pays arabes, en Turquie et dans presque tous les pays du Balkan. Moi, c'est un plat que j'ai fait avec des épinards, d'oignons et aussi des œufs. Généralement, le plus souvent, on le trouve avec du yaourt et des œufs, et aussi des oignons et avec de la viande, généralement. Après, sinon, il y a d'autres variantes avec des haricots blancs, etc. Donc, j'espère que vous allez aimer. C'est un plat qu'au moins chez moi, on le mange au moins une fois par semaine. Moi, j'aime bien, ma mère, elle en fait souvent. On le fait comment? En fait, ça prend un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la pâte. Puis il faut étaler la pâte, plusieurs couches. Et puis il faut faire ce qu'il faut mettre dedans. Et puis encore rajouter de la couche. Donc ça demande du temps. Maintenant, ils ne le font plus. Ils prennent des feuilles qui sont toutes faites. Mais moi, généralement, parce que moi j'habite à la capitale et ma mère dans une autre ville. Et quand je rentre, je dis, s'il te plaît, fais-moi ça. Toujours, elle le fait avec beaucoup de plaisir, évidemment, comme les mamans. Et après... comme toutes les mamans. Après, j'ai fait du revani. Alors que ma mère me pardonne, mais ça ne ressemble pas beaucoup. On va pas lui dire. Ça, oui. C'est à la base des œufs, du sucre et de la farine. On avait dit du miel, mais ce n'est pas du miel. 500 grammes de miel. Et après du sirop de sucre. Concernant le miel, en Albanie, la farine, on l'appelle miel. En fait, quand j'ai fait la recette, moi j'ai donné à Amrouta la recette et j'avais pris du miel. 500 grammes de miel. Et Marie-Jean me demande, mais qu'est-ce que tu vas faire, non? Et moi, je veux pas du miel, moi. Donc, c'est l'interférence de la langue. Je vous remercie, j'espère que vous allez tout aimer et profitez-vous.